Salut les connectés! Bon, alors commençons par enfoncer une porte ouverte. C'est le meilleur moyen de se casser la gueule, ça. Qui continue à acheter ses produits tech en boutique? Ok, bon. Qui a moins de 45 ans ici? Ouais, bah, voilà. Internet, c'est un peu devenu l'endroit idéal pour faire ses emplettes. Surtout avec l'avènement des boutiques de e-commerce, comme Cdiscount en France et surtout Amazon. Faut dire qu'ils sont bien connus pour avoir une tendance à casser les prix. Et si vous le savez pas, il y a vraiment moyen d'acheter vraiment moins cher sur ces sites via plein de petits bons plans que je vais vous partager. Alors petite précision, la vidéo n'est pas sponsorisée. Si vous verrez des liens dedans, ce sont des liens d'affiliation. Grosso merdo, si vous utilisez le service qui sera en lien, moi je toucherai en fait une toute petite commission qui sera liée à un achat que vous ferez. Ça excède rarement les 2%, donc c'est pas avec ça que je vais devenir riche. Bon, avant d'acheter, il faut trouver le meilleur endroit pour passer votre commande. Et pour ça, je vais vous conseiller deux sites qui sont Le Dénicheur et Deal Labs. Alors, Le Dénicheur, en fait, c'est un moteur de recherche qui va vous permettre de trouver le meilleur prix possible pour un produit, une référence que vous cherchez. En gros, c'est un peu comme Google Shopping, sauf que c'est 1000 fois plus intéressant. Ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps, et le temps, c'est de l'argent, là. Le deuxième est bien plus connu, c'est un site communautaire de partage de bons plans. Ce sont les gens de la communauté qui vont partager les bons plans, les promos qu'ils vont rencontrer, aussi bien en boutique que sur Internet. Et c'est hyper pratique parce que si vous voulez, vous pouvez créer des alertes pour une catégorie de produits, pour un produit en particulier, pour toujours être informé de la promo du bon plan qui va tomber quand on s'y attend le moins. Et comme c'est communautaire, les gens réagissent à ces bons plans. Et il y a un système en fait de notation du bon plan qui est sous forme de température, froid étant que c'est un bon plan qui n'est pas génial, pas très intéressant, et très chaud qui veut dire que c'est vraiment le plan sur lequel il faut se jeter parce que tout le monde le trouve génial. Alors, petite astuce que je vous partage, qui a été aussi partagée par D-Labs eux-mêmes, configurez-vous une alerte erreur de prix. S'il faut savoir que sur Internet, ou même en magasin, mais ça arrive plus souvent sur Internet, il arrive que des sites marchands se trompent totalement d'un prix d'un produit qui peut être vendu vraiment pour 10% de son prix. Et des fois, si on arrive à être assez rapide, ça peut être intéressant. C'est un peu comme si là, demain, Micromania décidait de vendre la PS5 à 50 euros. Et cerise sur le McDo, tout ça, c'est gratuit. Et tu sais aussi ce qui est gratuit? S'abonner à la chaîne. Car 99% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas du tout abonnées. Donc si on essaie juste d'inverser la tendance avec un tout petit clic. Et bien sûr, si tu aimes vraiment les vidéos, n'hésite pas à mettre la cloche pour être notifié des prochaines sorties. Bien sûr, si vous connaissez d'autres sites de genre, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Histoire qu'on s'entraide tous à devenir des super gros rats, quoi. Bon, désormais qu'on a trouvé l'endroit idéal pour commander votre produit, faut passer à la caisse. C'est alors qu'une des merveilles des sites e-commerce apparaît sur votre écran. Sauf que trouver un code promo qui fonctionne et qui est intéressant, c'est turbo chiant. Passe ton temps à naviguer sur les sites dédiés. 9,9 fois sur 10, le code ne fonctionne pas et ça t'a ouvert 65 onglets sur ton navigateur. Encore ? Ça fait beaucoup là, non ? Mais tonton Clément, il a une solution miracle pour vous, c'est Wanted avec 3 E. C'est une extension pour votre navigateur, donc qui est disponible sur Chrome, sur Safari, Firefox, Internet Explorer. En fait, Wanted, ça va te permettre en un clic de pouvoir tester la majorité des codes qui sont disponibles sur la plateforme. C'est un temps précieux de gagner. Lorsque tu arrives sur la partie paiement où tu vas avoir ton code promo, un pop-up s'affiche, te demande de tester les liens, tu cliques, tu laisses mouliner et ça va te sélectionner un code promo qui fonctionne. Et le truc qui est vraiment cool, c'est que s'il y a plusieurs codes promo qui fonctionnent, Wanted, il va toujours te proposer la meilleure réduction. En prime, sur certains sites partenaires, tu vas avoir ce qu'on appelle du cashback. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas passer une commande, tu auras une toute petite partie qui sera reversée sur ton compte Wanted et quand tu atteindras les 20 euros, tu pourras les récupérer. Donc, gagner de l'argent via ton achat. Ça fonctionne à peu près partout, Amazon compris. Par contre, chez Amazon, le cashback, tu laisses tomber. C'est bien sûr gratuit et si vous voulez utiliser Wanted, je vous invite à utiliser mon lien de parrainage qui est dans la description. Bon, le monde entier achète sur Amazon. Sauf si vous êtes du genre à boycotter, quoi. Ah non, mais moi, je ne peux pas acheter sur Amazon. Je sais pas, question d'éthique, ils payent pas leurs impôts en France.
l'exploitation des gens, les horaires... Non, mais c'est pas possible. Attends deux secondes. Bérangère, pour l'anniversaire de Léonie, on prend quoi comme jus? Du lait d'amande ou du gazpacho? Bon, on le sait, Amazon, ils ont une tendance à pratiquer des prix imbattables pour les boutiques physiques. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez avoir un des prix encore plus fous et de manière totalement légale? En fait, c'est simple. Pour cela, il faut acheter sur les stores Amazon étrangers et surtout les stores européens. Et croyez-moi, vous pouvez avoir de très très belles surprises si vous décidez d'acheter sur Amazon Allemagne ou Espagne. Et toujours en bénéficiant d'une livraison rapide qui excédera rarement les 3 jours. Par contre, il faudra payer la livraison. Parce que votre abonnement Amazon Prime, en fait, il est localisé. Donc si vous avez un abonnement Amazon Prime sur Amazon.fr, il ne fonctionnera pas sur Amazon Allemagne, Espagne, Italie, tout tralala. Mais bon, comme pour les codes promo, va falloir se taper la vérification de tous les prix sur tous les stores européens disponibles. Vous l'avouez, c'est lourd. Comme ton humour, c'est pas du réchauffé cette vanne. Non, non. Ça va peser, mais lourd. Un peu comme ton humour, non? Je te rappelle que c'est toi qui est censé être le comique des vidéos. Ah oui, merde. Mais avec une extension Chrome, vous allez avoir en un clic le meilleur prix européen sur Amazon. Il s'agit de l'extension Amazon Best Price Europe. Et pour l'utiliser, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le produit qui vous intéresse et vous cliquez sur l'extension. Elle va charger quelques secondes, elle va vous faire un classement de tous les prix qui sont disponibles sur les stores européens. Et en plus, ce qui est cool, c'est que les prix sont classés par croissant. Donc le premier, ça sera toujours le plus bas. Et si vous cliquez sur le prix affiché, vous arriverez directement sur la page Amazon du store concerné. Pour ceux qui veulent faire des achats sur mobile, il y a le site Maxpar qui va proposer à peu près la même chose. La seule différence, en fait, c'est que c'est un moteur de recherche. Par contre, il va falloir taper le nom du produit. Vous aurez une liste de tous les produits qui correspondent à peu près à ce que vous avez écrit. Et toujours, il va vous classer le meilleur prix. Et ce qui est cool avec Maxpar, c'est qu'en plus des prix, vous aurez toujours une estimation des frais de port que vous allez payer. Tu manies le lard et la manière, hein? Joli! Et vous pouvez vraiment avoir de sacrées réductions. Parce qu'il faut savoir que là, la caméra avec laquelle je me filme, qui m'a une toute nouvelle caméra, la Sony ZV-E10, je l'ai achetée sur Amazon Allemagne et elle était listée à 100€ moins cher que sur le prix français. Et pour les personnes qui sont angoissées à acheter sur un store européen, rassurez-vous, pour tout ce qui va être SAV, garantie au retour de produit, c'est comme sur Amazon FR. J'ai déjà eu l'expérience, puisqu'à une époque, j'avais acheté un casque Bluetooth, le Parrot Zig 2 sur Amazon Espagne. J'ai eu un problème qui était encore sous garantie. J'ai contacté Amazon Espagne en anglais. Ils m'ont édité une étiquette de retour. Donc, ça a été renvoyé toujours à leurs frais et j'ai eu un nouveau produit dans la foulée. Ça s'est passé nickel chrome. Mais il faut savoir qu'on peut aller encore plus loin dans les réductions. Il faut savoir qu'Amazon a une section qui s'appelle Amazon Seconde Main. En fait, c'est le rebranding de l'ancienne appellation qui était Amazon Warehouse. Amazon Seconde Main, c'est Amazon qui remet en vente tous les produits qui leur ont été retournés par les clients. Que ce soit parce qu'il y avait un petit défaut esthétique sur un produit ou simplement un client qui ne voulait plus le produit qu'il avait commandé par erreur ou parce qu'il a changé d'avis. Mais il décide de les revendre, mais les revendre moins cher. Donc ça vous permet d'acheter des produits à un état qui peut être très proche du neuf, à un prix d'occasion, tout en conservant la garantie Amazon. Et toujours dans le cas de la caméra que j'ai achetée, il faut savoir que je l'ai achetée sur Amazon Seconde Main Allemagne. Je l'ai payé 40€ moins cher pour un état très proche du neuf. La description, défaut mineur sur le dessus, le devant ou les côtés de l'article. L'article sera livré dans son emballage d'origine. L'emballage est endommagé. C'est ce qui est marqué sur la fiche produit. Clairement, j'ai reçu le produit, il est impeccable. Pour 40€ en moins, j'ai un produit quasiment neuf. Et quand quasiment neuf, c'est juste qu'il a déjà été ouvert une fois. Donc au final, j'ai fait 140€ d'économie par rapport au prix français. Et bien sûr, il y a aussi l'option pour tout ce qui va être smartphone, en règle générale, c'est d'acheter du reconditionné. C'est-à-dire des produits qui ont été remis à neuf par Amazon ou par des partenaires et qui sont vendus par Amazon à des prix très intéressants, tout en conservant la garantie. Ça vous permet d'avoir une démarche écologique, tout en vous faisant plaisir sur des produits technologiques. Comme le Fairphone. Et pour le reconditionner, il y a aussi Back Market. J'espère que tous ces bons plans vont vous permettre de faire des belles économies sur Internet. De votre côté, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire.
C'est un espace d'échange aussi dans cette section. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, surtout cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux. Ça permet au plus grand nombre de connaître des manières de faire des économies sur le web. Et bien sûr, n'oubliez pas de rester connecté. À très bientôt. Ciao.